Hey, salut! Hey! Aujourd'hui, je t'emmène visiter un bunker de la Deuxième Guerre mondiale qui est situé sur la ligne Maginot et il a l'air pas mal. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue, chérie. Allez! Hop! Ah, l'ouvreur de porte! Il se gamule! Waouh! Quel homme! Le blindage de. Ouais, je pense que c'est good. Oui. Ouh. Ah oui. Ah, on est directement dans la roche. Ah, c'est le stockage de charbon, on dirait. Quel coûteur, tu mets ? L'huile. Allez. Ah, mais j'ai l'impression que ça... Je sais pas ce que c'est, là, il y a du sable. Ça rejoint l'autre côté, on dirait. Ok, coup de sac. Maintenant, on vient là-bas. Stockage de charbon. Oh, punaise. Ah oui, il est balèze. Hein. T'entends l'écho? Écho. Wow. Ouais. On part de ce côté. Hey. On est là. Citerne. C'est pirate. Oh punaise, il y a encore les sacs de ciment là. Oh, c'est fou ça. Moi, ça a l'air bougé. Ça, on dirait une sortie de secours. Le plafond est bas. Ah, les cuisses. Ah, les cuisses. Comme si on l'a fait manger par contre. Ouais, non, ouais. Ça fait les cuissons. Ah ouais. C'est brûlé. Ouais, on dirait. Ouais. Je vais les poutres tomber là. Ouais, je pense une sortie de secours. Un grand merci à celui qui m'a lâché une caisse sur le retour. C'est pas sympa les gars. Je suis essoufflé là. Je veux dire qu'hier, on s'est tapé une sacrée rando. Oh l'écho. Oh punaise. La cloche. Oh punaise. Oh ouais. A few moments later. Je sais pas comment j'ai grimpé là. Là les 15 mètres ils y sont. Ok. On est sur le tourelle
Alors, je sais pas encore si c'est une toile d'observation, une toile de ghetto, de... toile de... Il y a plus de barreaux imbéciles. Tout le monde t'a vu. La honte. Oh, là, j'ai faim. Allez. Ah. Cette échelle m'a fini. Je suis HS, les gars. On sent la détresse dans ce regard. Hop. Hop. Alors, le petit fauteuil sur lequel s'asseyait le soldat, avec le système pour monter et descendre la plateforme, vous voyez, c'est sur un plateau qui est coulissant. En montant et en descendant, on peut jouer sur le niveau, donc ça permettait de descendre, de s'asseoir tranquillement et de remonter pour être au niveau des petites fenêtres. Voilà la vue qu'on avait depuis cette cloche. Alors, on va continuer la progression. Écoutez, ah, c'est impressionnant. Il y a une résonance dans ce bunker. On dirait qu'il n'a pas été terminé. Il y a la dalle à nu. On voit encore les coffrages. On s'emballe, avance. Porteur, oui, mais moins beaucoup de jambes devant, s'il vous plaît. Porteur. Oh punaise. Danger. Danger zone. Ouais. Ouais. Ça sert à quoi tous ces cuisages là? Dehors du stockage, je pense. C'est où les chambres? Ouais, c'est vrai que j'ai pas vu de chambre pour l'instant. Mais comme il y a des casernes plus bas, je pense que il est peut-être pas pioté là-dedans. Il est énorme. Donc là, ouais. C'est inachevé. Il est inachevé celui-ci. Hein. J'avais, c'est rebouché. Non, c'est inachevé. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de terminer. Ah, ça, c'est pas rassurant. Si c'est normalement, mais c'est les coffrages, tu vois, regarde. Il y a le béton derrière. T'avais le mât qui servait d'été. Tu vois, il y a des coffrages encore, regarde. Et encore une échelle, elle est moite celle-ci. Prenez, tiens-moi ça, s'il te plaît. Je vais grimper. Voilà, il y a quoi? Il y a 5 mètres, 7 mètres. Il manque une marche quelque part. Et là, oh punaise. Ah bah. Il y a des couvertes, ça je sais pas ce que c'est. Elles sont pressées d'aller voir. Hop là. Alors là c'était peut-être une chambrée. Ah mais ils étaient en train de faire un créneau là. Ouais. Ah oui les amis, là c'est en train de faire un créneau. Là on voit les ancrages.
Donc je pense qu'il était certainement prévu un mortier ou un gros fusil mitrailleur. C'est la première fois que j'en vois comme ça, pas terminé. Donc là c'est un bloc de combat en fait, c'était pas une chambre. Donc il devait y avoir un bloc à l'extérieur. On va aller faire un petit tour après. Hop. Alors, une chauve-souris. Là, fait peur celle-ci. Donc un petit créneau avec le support au fusil mitrailleur. Ah bah encore une cloche. Petit créneau ici. Pas que je suis gros, hein, mais... Arrête de te goinfrer, ça passera mieux. Je suis un peu musclé du ventre. Un petit peu, tout petit peu. Non, tu es dilaté. Ah, c'est hyper étroit. Hop, fallait pas triper, là. Alors là, fauteuil enferré comme ça, c'est le premier que je vois. On va se mettre en position. Hop là! C'est vraiment stretch, hein! On va redescendre. Ça, c'est notre histoire. Eh bien, nous voilà à l'extérieur. En sueur. En nage, comme on dit. Il est un peu physique celui-là, hein, avec ses échelles. Donc je vais vous montrer le bloc par lequel nous sommes rentrés. Un bloc, ça doit être... Je dirais une grille d'année d'air. Ouais, c'est ça. Je suis limite au bout de ma vie, là. Alors, un bloc là. Alors celui-ci, je crois que c'est le dernier que j'ai fait. C'est celui qui m'a fini en fait. Voilà, ça c'est la toute petite cloche dans laquelle je me trouvais, celle qui est hyper étroite avec le fauteuil en fer. Belle bouche à feu quand même. Avec son petit fossile diamant. Et bien cette vidéo touche à sa fin. J'espère que t'aura plu. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Tchou tchou. Abonne-toi à la chaîne de cet explorateur sexy et courageux.